Bien, et ben voilà, l'aventure continue. Voilà, j'ai commencé. Vous allez voir un petit peu après, on va dire 230 heures de travail. Hein, voilà, 230 heures de travail. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Le châssis, hein, la châssis, la coque, elle est sur, la carrosserie, elle est montée sur le châssis. Hein, comme vous pouvez voir, donc j'ai mis les lames de ressort, les barres de torsion, j'ai mis les amortisseurs. Bon, il reste encore les amortisseurs à coupler, hein, au bras. J'ai monté les moyeux arrière avec les freins. Hein, vous voyez? Donc, il y a encore un petit peu de travail. Hein, un petit peu de travail. Bon, là, j'ai monté, comme on peut voir, j'ai monté donc les bras. Donc, hein, j'ai accouplé comment je veux dire, le haut vent inférieur et le haut vent supérieur, je les ai accouplés ensemble. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, là, maintenant, on va dire que la voiture ressemble à quelque chose. Hein. Elle ressemble vraiment à quelque chose. Et là, ça, vous voyez? Alors, bien sûr, comme on peut voir, hein, comme on peut voir là devant, bon, j'ai fait mes lignes hydrauliques. Hein, la ligne frein, hein, la ligne frein, la ligne essence, là, hein, c'est provisoire, bien sûr. Hein, j'ai monté provisoirement pour que je puisse avoir mon implantation. J'ai monté donc un mètre-cylindre, hein, pour que je puisse faire mes tuyauteries. Alors là, après, je vais tomber le mètre-cylindre, je vais en mettre un autre. Hein, allez, attendez une minute. Alors, bien sûr, comme vous pouvez constater, j'ai monté mes lames de ressort supérieures, inférieures. J'ai monté, comment je vais dire, mes pivots, droit et gauche. Alors, bien sûr, ils ne sont pas encore accouplés. Hein. Ils sont pas encore serrés parce que, il faut que j'enfile la boîte de vitesse. Hein, la boîte de vitesse et que je puisse accrocher les cardans. Hein. Là, c'est du montage à blanc, mais voilà, c'est monté pratiquement. Alors, bien sûr, là, je vais continuer à monter. Je vais monter mes freins, je vais monter mon coupe-batterie, je vais monter comment je veux dire, ma bobine, hein, mon régulateur, toutes les petites bricoles. Je vais monter toutes les petites bricoles que j'ai commencées, que j'ai préparées. Et bien, elles sont faites. Là, je vais monter. Là, je gagne beaucoup de temps. Hein, vous voyez? Là, oui, comme je disais, 16, oui, c'est ça. Après 230 heures de travail, 240 heures, voilà où on en est. Regardez le châssis, comment il est joli. Hein. Regardez la traverse qu'on a. Hein. C'est quasiment neuf. Attendez-moi une petite seconde. Pardon. Excusez-moi, parce qu'il y a quelqu'un qui est à la porte, donc leur fait comprendre que j'étais en train de, que je tournais un film pour la caméra, pour la télévision. Hein, vous voyez, donc là c'est prêt. Hein, là c'est prêt. Alors je vais quand même pouvoir commencer à remonter. Je vais faire remonter. Ça va se monter très bien. Et après, si vous voulez, dans la semaine. Dans la semaine, et ben je vais, comment je vais dire, je vais commencer à attaquer le ponçage de l'arrière et tout pour pouvoir avancer un petit peu, quoi. Hein, ben voilà, je vois pas grand-chose à dire de plus, quoi. Bon, là, comme on peut voir, il y avait une coupure, là. Hein, j'ai fait une soudure en aluminium, là, tac, l'aluminium, en même temps que les portes. Hein. Ben voilà, alors, voilà, ben merci, à la prochaine vidéo, donc.